Quand j'avais 14 ans, mon père était en poste au Japon. J'étais parti faire de l'escalade avec un gamin de l'école. Et il s'est blessé en tombant. J'ai dû l'amener à l'hosto. Et on n'est pas arrivé par la bonne entrée. Alors il y avait cet homme dans le hall. C'était le gardien. Mon copain avait une grave infection et les médecins étaient assez déroutés. Alors ils ont fait entrer le gardien. Il était médecin. Et c'était un Buraku, l'un de ces intouchables japonais. Ses ancêtres étaient équarisseurs ou croque-morts. Et ce gars-là, il n'était pas aimé par les autres. Il faisait rien pour, il s'habillait mal. Le groupe l'intéressait pas. Et à l'hôpital, personne ne le considérait. Il n'existait pas. Sauf dans certains cas. Parce qu'il voyait juste. Et c'est ce qui compte le plus. Alors il l'écoutait.